En avril 1996, le train d'essai Thalys franchissait la frontière à 330 km/h sur ce qu'il convient d'appeler la première liaison européenne à grande vitesse. Bien que la ligne puisse donner l'impression d'être le prolongement du TGV français, le projet belge est loin d'être une copie. Il s'agit plutôt d'une prouesse technique qui est en fait le fruit des expériences précédentes et de la rencontre de plusieurs technologies ferroviaires. En une période d'à peine 2 ans, la pose de l'assise qui concrétise la première phase de construction de la ligne à grande vitesse a été réalisée. En Belgique, la construction des lignes à grande vitesse a commencé sur la branche ouest, située entre Bruxelles et la frontière française, là où la ligne rejoint celle du TGV Nord, qui se prolonge via l'embranchement de Frétin vers Londres, vers Paris pour les trains Thalys et vers le sud de la France pour les liaisons TGV Interconnexion. Sur les 11 premiers kilomètres entre la frontière française et la vallée de l'Escaut, quelques 3 millions de mètres cubes de terre ont dû être déplacés, car le permis de bâtir exigeait que la ligne à grande vitesse s'intègre autant que possible dans le paysage. Les excédents de terre ont donc été évacués vers des anciennes carrières, où nous avions d'ailleurs reçu l'autorisation de les évacuer en tant que déchets de classe 3. Une piste provisoire avait été créée tout le long du parcours afin de permettre le passage des camions. Des déviations ont dû être mises en place là où des ponts devaient être construits au croisement avec la ligne. Chaque camion a été enregistré à l'entrée de la décharge pour le calcul des taxes à payer pour l'autorisation de décharger à cet endroit. La décharge était ouverte entre 6h et 22h. Quand le temps était favorable, jusqu'à 15 000 tonnes de terre pouvaient être déposées par jour. Ici à Antoin, un viaduc a dû être construit pour permettre le franchissement de l'Escaut. Ce viaduc comporte 5 travées de 50 mètres et un tablier long de 120 mètres au-dessus du fleuve proprement dit. Comme vous pouvez le voir, les environs sont assez plats et une zone habitée se trouve non loin. Il a donc fallu accorder une certaine importance à l'aspect esthétique de ce viaduc ainsi qu'au fait de réduire les nuisances sonores à un strict minimum. Un viaduc classique avec une section en caisson et équipé de murs anti-bruit poserait des problèmes techniques au niveau du profil de la ligne. La préoccupation principale était de trouver un tablier de pompe ne nécessitant aucun entretien et d'une hauteur minimale. Ce dernier est une extrapolation des tabliers de pont à auge à une voie couramment utilisés par la SNCB. Les piles du viaduc reposent sur des pieux forés. En effet, la plaine alluviale qui borde l'Escaut possède une faible force portante et au fur et à mesure que l'on s'approche des bords de l'Escaut, celle-ci diminue encore. La construction du viaduc est rendue spectaculaire en raison de l'ajout de l'armature et des tubes destinés aux câbles de post-contrainte dans le tablier du pont. Le coffrage doit être soigneusement soutenu par des échafaudages qui sont ancrés dans le sol grâce à des fondations profondes provisoires. La force portante longitudinale des tabliers de pont est assurée par des câbles tendeurs qui sont introduits dans la dalle et dans les poutres caissons longitudinales. Tous les câbles tendeurs peuvent être remplacés sans interrompre la circulation sur le viaduc. La travée de 120 mètres de long au-dessus de l'Escaut est une construction en arc. Des échafaudages provisoires ont été montés sur la moitié de la largeur du cours d'eau, sans interrompre la circulation fluviale. Les éléments en acier ont d'ailleurs été acheminés par péniche. Le montage s'est effectué arc par arc, en commençant du côté des appuis. L'arc a été fermé avec une précision parfaite.
La dalle reste une construction mixte acier-béton, mais elle est maintenant suspendue à deux arcs en acier qui s'élèvent à 30 mètres au-dessus du niveau de l'Escaut. La mince silhouette du viaduc surmonte cette grande travée, mais les caissons latéraux ne renforcent pas l'ensemble. Ils n'ont été ajoutés ici que comme élément de continuité. Comme vous pouvez le constater, les ouvertures ont été effectuées tous les 7 mètres dans les poutres caissons latérales. Ces poutres caissons servent également de chemin de service pour le personnel d'entretien qui a ainsi accès à la voie grâce aux ouvertures. Les caissons servent également de murs anti-bruit, particulièrement efficaces car situés le long de la voie, d'habitude le chemin de service se trouvant entre les deux. La faible hauteur du viaduc est étroitement liée au profil de la ligne à grande vitesse qui plonge 150 mètres plus loin à peine déjà sous un tunnel. Il s'agit d'un caisson placé dans une fondation ouverte, haute de 7,50 m et large de 20 mètres. Ceci est rendu nécessaire afin d'éviter les douleurs auriculaires dues aux différences de pression. Le sous-sol est d'une qualité particulièrement mauvaise et les travaux ont dû être effectués pendant l'hiver extrêmement humide de 1994-95. Le tunnel se trouve à l'extrémité d'un long trajet en pente et comporte de grands caissons pour l'écoulement des eaux qui se déversent finalement dans l'Escaut. Voici la structure routière définitive et l'aménagement du paysage. Après la pose de la voie provisoire, une première couche de ballast a été étendue en laissant une tranchée au centre. Les traverses monoblocs ne tolèrent pas de sollicitations importantes dans leur partie centrale. La voie est fixée à l'aide de clips pendrol. La pose de la voie a pu rapidement être réalisée grâce au soutien logistique de la base de travaux de Saint-Druon à Antoin. Cette base assure l'acheminement, l'approvisionnement, la sécurité et l'organisation du travail. Elle est située dans un triangle constitué par le prolongement de la ligne à grande vitesse et de la ligne 78. Ligne 78 qui assure l'acheminement du matériel lourd. Immédiatement après avoir été posée, les longs rails, qui mesurent 288 mètres de long à la livraison, sont reliés par soudure aluminothermique. Les murs anti-bruit ont été placés après les voies. Ce sont surtout les fondations qui ont posé de gros problèmes. Elles ont dû être réalisées depuis la plateforme d'un train de travaux. Pour les caténaires, on a procédé à une pose d'essai à hauteur d'homme à l'attention du personnel de contrôle et de l'entrepreneur. Cette simulation a été effectuée sur un morceau de voie posé sur la base de travaux de Saint-Druon. Lors de la conception de la caténaire, on a veillé à ce qu'elle soit résistante et nécessite un minimum d'entretien. Pour un captage avec un minimum d'étincelles, il est primordial que le fil de contact soit parfaitement suspendu. Il faut donc que les étriers soient fabriqués au millimètre près. La caténaire a été rigoureusement testée à une vitesse de 330 km/h et avec un pantographe GPU dont sont équipés les TGV réseau. Tucrail a donc procédé au calcul pour toutes les parties portantes du système de caténaire dans la situation future où la tension du fil de contact pourra être portée à 3 tonnes. L'accroissement de la tension mécanique doit réduire la flexibilité du fil de contact et l'uniformiser.
L'alimentation de la traction électrique est de 2 fois 25 kV en courant alternatif. La caténaire est mise en parallèle par des sous-sectionnements équipés d'autotransformateurs. Le bâtiment contient l'appareillage de signalisation ainsi qu'un abri pour les équipes d'entretien de la voie. Tous les 10 km environ, les données de la signalisation sont regroupées en un centre d'appareillage intermédiaire le long de la voie et les données sont également envoyées au poste chef à Bruxelles. Les 15 premiers kilomètres de la ligne, inaugurés le 2 juin 1996 après 30 mois de travaux, se terminent donc ici. Les chantiers suivants, s'étendant jusqu'à Bruxelles, sont depuis lors bien entamés. Les voies provisoires attendent la phase suivante des travaux.